Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's Vape. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de la vape. Et aujourd'hui on part direction DINVAP. DINVAP c'est un site internet mais aussi une boutique que vous pouvez retrouver du côté de Forbach. Et il y a une deuxième boutique aussi dans le coin. Alors n'hésitez pas déjà à y faire un tour parce que vous avez beaucoup de choix. Déjà je vous parlais déjà des Clodo Flolo hier. Vous avez déjà toute la gamme de Clodo Flolo qui se trouve sur leur site internet et en boutique. Et aussi ils ont cette particularité dans ces boutiques et dans ce site internet de créer leurs propres arômes et leurs propres prêts à vaper. Après avoir eu contact avec un des gérants, avec Eric notamment, de DINVAP, j'ai pu recevoir pas mal de liquides de la part de DINVAP. Des lolos, mais également des arômes de chez DINVAP. Alors, j'ai réalisé ces liquides, j'ai la petite plateforme vibrante qui accélère le steep, et donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous proposer un liquide de leur gamme en test. Aujourd'hui, on va tester un liquide que j'ai toujours eu envie de tester vraiment, parce que on connaît tous les fameuses sucettes Chupa Chups. Et donc je pense qu'il est aujourd'hui temps de tester un liquide qui ressemble à cette Chupa Chups. Et donc le liquide s'appelle Chup Chups, pour ne pas porter le même nom justement que cette marque, puisque bah, vous savez que c'est interdit. Et donc on peut partir à présent sur le test de ce liquide. Sans plus attendre, les cotons sont imbibés, on est parti. Donc pour ce liquide, on a vraiment la saveur fraise au lait. En fait, on a vraiment un lait avec la fraise. Une fraise très douce, très délicate, très discrète, qui ne laisse pas de côté chimique ou quoi que ce soit. Est vraiment très douce. Je pense que il fait partie des bons arômes fraises, justement, que vous pouvez retrouver. C'est très rare de trouver des bons arômes à la fraise. Et là, vous avez vraiment cet aspect sucette fraise au lait. Et ça me fait penser un petit peu aux anciennes sucettes qu'on pouvait avoir, Chupa Chups, justement. Donc c'est une réussite pour ce liquide, pour le Chup Chups, qui fait en référence avec les Chupa Chups. Donc je vous conseille d'aller le chercher si ça vous tente, si vous appréciez ces arômes, fraises, lait, et si vous êtes un friand justement de cette friandise de chez Chupa Chups, n'hésitez pas à aller vous le procurer. En tout cas pour ma part, j'adore ce liquide et je pense que je vais pas tarder à le mettre un petit peu dans mon dripper. Voilà, donc... Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.